La saison 6 de The Crown sera diffusée sur Netflix en automne 2023. La dernière saison de la série montrera la mort de la princesse Diana. L'équipe de tournage proteste déjà contre une scène particulièrement bouleversante. La série Netflix The Crown, dont la saison 5 est disponible depuis le 9 novembre 2022, n'a pas fini de faire parler d'elle, que la suite est déjà en train de créer les prochaines polémiques. Pour rappel, la saison 6 de la série de Peter Morgan sera la dernière et se rapprochera encore un peu plus de la période contemporaine et des événements vécus récemment par la famille royale. Cela signifie qu'une des plus grosses intrigues des derniers épisodes sera la mort de la princesse Diana qui, alors qu'elle est en train d'être tournée, commence déjà à faire parler d'elle. En effet, comme le rapporte le Sun, à qui s'est confié un des membres de l'équipe du tournage de The Crown, une scène en particulier risque de provoquer effroi et indignation au sein des téléspectateurs. Dans la scène, Lady Di, morte après son accident de voiture sous le pont de l'Alma, sera positionnée dans un cercueil que viendront voir les personnes présentes lors de ses funérailles. Ils ont carrément fait monter Elizabeth, Debicki, qui incarne Diana à l'écran, note de la rédaction, dans un cercueil pour qu'elle fasse la morte comme Diana. Le prince Charles, joué par Dominic West, arrive ensuite en larmes. Bouleversé, il remarque qu'une des boucles d'oreilles de Diana a disparu et, dévoré par le chagrin, se focalise sur ce détail. Une scène qui s'annonce particulièrement difficile à voir, même si la mort de Lady Diana remonte au 31 août 1997. Pour la personne ayant témoigné, cette scène relève de l'obscène et ce pour une raison notamment. Une autre scène bouleversante sera montrée. Les princes William et Harry n'ont jamais vu leur mère morte dans un cercueil et ils ne devraient pas avoir cela. Le public britannique non plus. Pour cette personne faisant partie du tournage de The Crown, c'est avant tout pour faire de l'audience que ce genre de scène a été autorisé, et ce n'est pas la seule qui pourrait poser problème. La même source révèle que la saison 6 de The Crown montrera également l'arrivée de Diana à l'hôpital juste avant sa mort, alors qu'elle est inconsciente et ensanglantée, entourée de médecins. De quoi continuer à créer des controverses autour d'une série qui, d'après les rumeurs, ne plaît déjà pas à la famille royale. Il faut dire que The Crown s'attelle à la tâche ardue de dévoiler les coulisses de la royauté britannique, ce à quoi la reine Elizabeth II s'est opposée toute sa vie.